Eh ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement une vidéo d'information pour la rentrée 2017. Alors pour commencer, pour ceux qui sont abonnés et qui vont voir mes vidéos, ils ont pu constater que il y avait du changement. Je viens de changer la présentation de la chaîne. Il va y avoir des nouveautés. Il n'y aura pas de live, il n'y a pas eu de live samedi, il n'y en aura pas ce samedi-là parce que je me suis fait striker par YouTube pour pas grand-chose pour le live co-op que j'ai fait sur Just Dance 2017. Ça c'est honteux parce que figurez-vous que depuis 2 jours, dans la soirée vers les coups de 21h, le live met en direct des films mais vraiment récents comme Fast and Furious 8 sur YouTube et nous on se nous strike pour une musique ou deux. C'est n'importe quoi franchement. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse. Donc pour moi, revenons sur Ice Gaming. Alors la rentrée, bah, c'est simple, il va y avoir des nouveautés. Déjà, il y aura 10 sélections. Il y aura déjà, normalement, il y avait Petro en coop. Sauf qu'il y aura les vidéos en ligne à la place. Et il y aura la playlist du jeu que je fais. Donc là, à l'heure actuelle, c'est Injustice 2 et Lego Batman 3. Mais après, il y aura les prochains. Et au lieu d'en avoir 4, il y en aura 2 seulement. Parce que c'est un peu trop de travail et j'ai un peu de mal à m'en sortir. Des fois, j'en ai marre sur la fin. Là, ça va y en avoir 2 et 2 coop. Mais bon, ça, c'est avec le fun, le plaisir. Je suis pas tout seul à le faire. Donc, c'est moins épuisant et moins chiant. Voilà. Ensuite, il y aura mes lives de 2017-2018. Donc, au fur et à mesure que je fais un live, vous aurez le truc. Donc, là, évidemment, dans 2 semaines, ça sera sur Twitch. Si je comprends bien. Parce que vu que faut attendre 90 jours pour que ça soit réactif, voilà. Donc bah, je suis obligé de faire ça, mais il y aura la rediffusion évidemment le lendemain ou dans 2 jours sur YouTube bien entendu. Ensuite vous aurez droit à 4 playlists donc, qui s'appellent Aries Test, ça on ne change pas. Bonne annonce 2017, ça ne change pas, c'est pour vous prévenir qu'il y aura un live. Il y aura les démos et il y aura une nouvelle émission qui s'appelle Arcey Games, c'est sur les rétro gaming. Par rapport à celui d'Aries Life, il s'appelle Aries Retro, évidemment il ne reste plus que 8 vidéos que je vais vous mettre en ligne et après il n'y en aura plus sur Aries Life vu que ça sera sur Aries Gaming. C'est un portage si vous préférez, c'est comme ça. Sauf que ça change aussi de nom. Ensuite, il y aura une sélection playlist coop, donc avec la team FPT et TNT Aventure Productions. Donc en global tout le monde. Donc là vous avez eu le droit à 5 coop et là on est en train de tourner la coop 6 et 7 donc je vous en parlerai tout à l'heure, ça sera pour la rentrée de septembre. Et il y aura aussi les playthroughs en mode solo que vous verrez juste après en mode sélection avec les playlists. Il y aura les setups et il y aura les infos. Donc les setups, bon il n'y en a qu'une seule pour l'instant, mais pour l'instant je ne sais pas quand est-ce que je vais vous faire un autre setup, peut-être l'année prochaine, il y aura peut-être le setup 2018, je sais pas. Voilà, pour l'instant il n'y a rien qui a été changé, je sais que j'ai une console ou deux supplémentaires, mais je vais pas vous faire un setup pour ça. Voilà. Et pour les informations, bah, c'est comme les informations que je suis en train de vous faire, tout simplement. Ça, c'est pour la partie de présentation de la chaîne. Il y a aussi un truc qui change aussi sur la chaîne, c'est que bah, tout simplement, le logo il change. Voilà, le logo il change, enfin le logo il change pas tellement, c'est juste le fond, il était bleu, là il est vert. La couverture sera pareille, sera tout vert. Il n'y a que ça qui change, la couverture reste comme telle avec les présentations des jeux en cours. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il y aura 2 playthroughs prochainement. Voilà. Alors, concernant le planning maintenant, le planning c'est très simple. Le lundi et le dimanche, vous aurez droit à du playthrough court. Alors on a sélectionné des trucs, enfin plutôt moi j'ai sélectionné parce que après j'ai présenté le truc aux gens, après ils ont bien voulu, donc je vais vous présenter les premiers. Donc le premier, le lundi vous aurez droit du Battleground, donc PUBG, voilà. Il y en aura 8, hein, parce qu'on fait septembre-octobre, j'ai calculé une vidéo par semaine, ça faisait 8 vidéos pour 2 mois. Voilà, vous aurez droit aussi à du Splatoon 2 qui sera le dimanche, donc le lundi PUBG et le dimanche Splatoon 2.
Et les Splatoon 2, bah, c'est les mêmes personnes, c'est moi-même et YF06 comme on avait fait pour le premier Splatoon. Et PUBG, bah, ça sera avec tout le monde, il y aura TNT Polardo, il y aura plein de gens que vous connaissez certainement, on sait pas. Ne pensez surtout pas qu'on fasse venir Amixem, Squeezie, Cyprien et compagnie, hein, parce que c'est pas eux du tout. Voilà, tout simplement. Le mardi, vous aurez droit tout simplement à du Petro en mode solo avec Superman Bomberman R. Donc évidemment, j'ai aussi changé un peu la vignette. Vous voyez que le contour est bleu clair parce qu'il y avait trois couleurs à la base. Il y avait du vert, du bleu foncé et du jaune. Donc là, c'est du bleu clair, un peu gaieté, ça fait pas de mal tout simplement. Ensuite, le mercredi, une semaine sur deux, vous aurez le droit tout simplement à Ariestes, donc une semaine sur deux, et l'autre semaine, l'autre mercredi, vous aurez droit à la démo. Voilà, une semaine sur deux. Le jeudi, donc j'ai pas encore de logo, j'ai pas encore fait d'intro, rien du tout, mais vous aurez le droit à une nouveauté une fois par mois. Ça sera tout simplement les unboxings. Donc des unboxings, par exemple présentation de t-shirts, présentation de figurines, présentation de jeux vidéo, présentation voilà, de plein de choses. Donc je vous montrerai une fois par mois. Donc j'ai déjà deux idées en tête de quelle émission, enfin de quoi je vais vous montrer et tout, ça va être génial. Voilà. Le vendredi, vous aurez droit, tous les vendredis, vous aurez droit à du RC Games, donc la nouveauté de Retro Gaming. Donc déjà 4 vidéos d'enregistrées, voilà. Le vendredi soir, 18h, vous aurez la bonne annonce pour le live du lendemain à 21h à peu près, ce qui sera sur Twitch, parce que pendant 90 jours, je ne veux pas faire de live sur YouTube. Merci de m'avoir straqué pour une toute petite chose, seulement juste pour de la découverte, de l'ambiance, pour faire profiter les gens qui n'ont pas le jeu juste dès 2017, avec les personnes que j'étais au mois de juillet en coop. Voilà, et on me strike pour ça. En plus que il y a 2 jours de ça, j'ai tout simplement vu que des personnes qui étaient en direct mettaient des films comme Fast and Furious 8 en français et en direct. Eux, on va pas les striker. Ça, c'est bizarre, ça. C'est vraiment de la grosse merde, YouTube. Faites quelque chose, parce que franchement, je crois que ça va mal le faire. Il y en a qui vont pas aimer, après, à force. Hein. Bon, après, c'est pour vous. Bon. Vous êtes peut-être une plateforme, mais il faudra peut-être gérer la chose. C'est vous qui avez créé YouTube, hein, c'est pas nous. Hein. Voilà. Et donc le samedi, je reprends parce que c'est une partie. Et donc le samedi, vous aurez droit à du Petro solo avec tout simplement Ultra Street Fighter. Vous voyez, il est jaune et en plus de ça, j'ai fait ça bien. Évidemment, le soir, vous aurez droit au live. Donc là, je vais être obligé de vous montrer le prochain live. Enfin, ça sera Bayonetta. Enfin, ça sera pas le premier samedi, ce sera le deuxième samedi. Hein. Voilà, c'est en suivant. Et le dimanche, donc vous aurez le droit tout simplement à la coop avec Splatoon 2. Voilà, avec YF06, on a fait le premier ensemble, on va faire le 2 ensemble. Donc on est en train de tourner tout ça, donc j'ai plus qu'à mettre en ligne, à faire les montages. J'en ai tourné hier, donc on va faire le tournage bientôt. Des derniers. Voilà, et à monter. Voilà, et donc, avant le live sur Bayonetta, vous vous rappelez qu'on avait fait au mois de juin, je sais plus quel jour, le Minecraft Co-op, le numéro 45, et que pendant l'été, vous avez eu le droit à 6 vidéos de la suite, en fait, tout simplement en mode co-op. Et donc, du coup, là, on va faire un autre live le premier samedi de Minecraft, tout simplement. De Minecraft. Et on va tout simplement terminer la quête où on doit trouver l'Ender Dragon. Voilà, en espérant qu'on va le trouver et qu'on va le tuer, tout simplement. Et donc, dans la petite tête, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une quête par an. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, vous aurez droit à un autre live en juin et un live en septembre. Et au milieu, vous aurez droit à la série de l'été où on va faire de la quête. En fait, tout simplement, on va faire plein de choses comme ça. Voilà. Donc là-dessus c'est bon. Le t-shirt je l'ai acheté. Bon, si vous le voulez, vous mettez sur le commentaire. Je vais pour réactiver, on verra ça plus tard bien entendu.
Et puis, volou, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah oui, j'ai une chose aussi importante à vous dire. Vu que je fais de la coop avec YF06, qui est le fondateur de la team NFPT, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce qu'en plus de ça, je participe, figurez-vous. Enfin, je participe, c'est-à-dire que j'ai la clé de la chaîne pour pouvoir mettre du contenu, c'est ça que ça veut dire. Et pendant tout l'été, je vous ai fait du DBZ Burst Limit sur Xbox 360. Et j'ai l'intention de continuer à mettre des vidéos une fois par semaine. Et donc en septembre, j'ai déjà trouvé un nouveau jeu que j'ai déjà fait sur cette chaîne-là, Yes Gaming. Donc je le propose sur la team LFPT. Tout simplement. Et après, j'en ai d'autres, hein, de jeux. De toute façon, le programme, c'est ça. Cet été, c'était DBZ Burst Limit. Il y aura du Batman Arkham Asylum. On va faire une petite pause. On va faire du Axel World versus SAO. Donc, Sword World Online. Voilà. Et après, on reviendra sur Batman Arkham City. Tout simplement, ça peut y avoir d'autres jeux, mais je sais pas encore. Tout simplement. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne-là aussi, à TNT Adventure Productions, où évidemment j'ai aussi participé parce que sur cette chaîne-là on propose du Gemini du délire, donc je fais partie parce qu'on a fait à peu près 4 vidéos dessus, hein, 4 épisodes dessus, où je suis présent et tout, et je serai certainement présent à d'autres vidéos plus tard, bien entendu. Mais aussi, je participe, j'aide le fondateur de cette chaîne, donc TNT Pellarno, pour son petit dead mode crossover. De temps en temps, ça m'arrive de lui donner un coup de main. Et aussi, prochainement, parce que vu que sur la chaîne, il y a aussi du Tomodachi Life, donc on a fait une petite vidéo pour m'incruster dans le jeu avec mon petit Mi, parce que c'est avec les Mi de la Wii, voilà. De la 3DS et compagnie de chez Nintendo, et ils ont sorti un autre jeu qui s'appelle Mythopia, et donc du coup on a eu l'idée de faire tout simplement nos voix dans le jeu en fait. Donc du coup je vais participer parce que c'est intéressant et super marrant. Voilà, il y aura une autre vidéo, mais pas sur Yes Gaming, mais plutôt sur Yes Studio, pour vous dire un peu ce qui va se passer, bien entendu. Yes Life, juste une petite parenthèse, c'est que j'ai changé d'introduction et d'outro pour The Yes Starting. La miniature, c'est pareil, un petit peu. Et la présentation aussi. Parce qu'en fait, normalement, à la base, sur Yes Starting, c'était que les produits américains, le schéma American Market. Donc, cette fois-ci, je vais faire de renouveau. Il y aura des produits américains, il y aura des produits japonais et il y aura des produits des années 80 comme les PES, les IS que j'ai trouvé sur un site, les Raiders qui maintenant s'appelle Twix, bien entendu. Et donc du coup je vais vous faire la dégustation de tout ça, de ces trois choses, prochainement. Donc c'était la petite parenthèse pour ISI. Je vous dirai rien sur Arius Studio, vous le saurez dans la vidéo d'information que je mettrai en ligne. Et sur ce, je vais vous laisser et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de vous mettre un commentaire et de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo d'information. C'était Fabien, à la prochaine pour une autre information ou pour autre chose à vous dire très importante, on ne sait jamais, pour le setup un jour peut-être. Sur ce, salut !